L'ange numéro 15, Ariel. Il régit du 1er au 5 juin. Il est l'ange de la clairvoyance, de la clairaudience et de la clairsentience. Il nous permet de développer nos sens subtils et de percevoir les réalités cachées en nous et autour de nous. Grâce à la compréhension du langage symbolique qui nous permet de décoder la vue en profondeur. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Purification. Pureté des mœurs, innocence. Sentiment spirituel. Découverte de nouvelles méthodes, inventions utiles. Inspiration pour les scientifiques et les artistes. Blanchit la conscience en lui infusant simultanément la loi et la connaissance. Procure une grande lucidité, éveille le discernement, rétablit la communication entre l'individualité et la personnalité, libère de la paralysie, de ce qui empêche d'agir. Libère de toutes les formes de dépendance. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Puritanisme. Perfectionnisme excessif, trop focalisé sur les détails, manque de vision globale. Caractère compliqué. Se rend complice des forces de l'abîme. Prêt à mourir pour imposer ou défendre une vérité non naturelle. Terrorisme, extrémisme. Esprit sectaire. Échec, effondrement, lutte contre l'ordre naturel, mentalité desséchante, esprit excessivement analytique, tendance à disséquer exagérément. Discernement faussé. Jugement erroné.
principe inversé. Séparatisme. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Altruisme. Bonté. Détachement. Enfant. Féminité. Malveillance. Miséricorde. Pardon. Possessivité. Rancœur. Sentiment de vengeance. Réconciliation. Sentiment d'être abandonné. Douce pensée angélique.